Donc le point de départ, c'est le texte d'Ézéchiel. Le texte d'Ézéchiel et cette vision. De cette vision s'est imposé un rouleau. Je trouve que dans ma vie artistique et dans ma production, les rouleaux sont très très importants. D'abord, j'ai un rouleau de vie que j'ai commencé quand j'étais encore étudiante aux Beaux-Arts, et une forme d'autobiographie en images et très imagée, très colorée et minuscule. C'est de la miniature, mais qui fait maintenant plus de 70 mètres et qui continuera, j'espère, le plus longtemps possible. Pour reprendre un petit peu le projet de la Megillah Ben Adam, c'est le mot-clé, Ben Adam, fils de l'homme. On est tous fils ou filles d'un homme. Et le moteur de tout ce projet a été un voyage en Pologne. Et ce voyage se termine par la visite de Auschwitz-Birkenau. Et je repars en France. Rempli d'images. Je ne connaissais pas la traduction de Birkenau, et quand je l'ai demandé à ma guide, c'était la traduction des nazis du lieu-dit sur lequel se sont implantés les fours crématoires à Birkenau. Et donc Birkenau veut dire les petits bois de bouleau, le petit bois de bouleau. Je m'accroche au texte, à certains psaumes. J'étudie l'hébreu biblique depuis 2006. Et je me raccroche à un texte que je n'avais pas du tout étudié en hébreu, mais que je connaissais en français. C'était la prophétie d'Ézéchiel, la vision des ossements secs, Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Je me raccroche à cette vision, mais sans en faire rien, je repars en France avec la nécessité de l'étudier. Et tout d'un coup, je réalise cette évidence de faire une pièce dédiée à ce sujet, mais au-delà. Bon, Ézéchiel, c'est un prophète qui était en exil à Babylone, dans l'exil babylonien, 6 siècles avant l'ère chrétienne. Et dans cet exil et dans ce désespoir absolu, il porte un nom qui est extraordinairement signifiant, puisque c'est Dieu renforcera, le renforcera. Donc en hébreu, c'est Yihatzek, elle. Dieu, elle, renforcera. Et ce qui est fou, c'est que j'avais absolument besoin d'être renforcée dans l'épreuve, au sens presque photographique, du terme de quelle image choisir, prendre. Et dans cette confrontation, j'avais absolument besoin de ce texte. Je vais aller jusqu'au fin du verset 14. Ayeta alai yad Adonai, vayotieni beruach Adonai, vay nicheni betor abika, vei melea atzamut. Ve'e virani alehem, saviv saviv, ve'ine rabot meod al pene abika, ve'ine yeveshot meod. Vayomer elai, ben Adam, atich yena a atzamot a ele. Va Omar Adonai Elohim Ata Yadata. Je me plonge dans le texte et la Megillah donc apparaît, donc le rouleau. Je reprends l'expérience du rouleau à peinture. Je sais qu'il faut le faire beaucoup plus grand et je pars en image. Je commence à l'encre de Chine sur toile, enduite, préparée, apprêtée.
et où commence un noir un peu comme une télévision brouillée, noir strié, et un autoportrait coupé. Je coupe mon regard. Intuitivement, c'était juste. Je me dis, mais ça, c'est complètement... C'est, je dois partir de moi. Je ne peux pas partir... Je ne suis pas Ézéchiel, par contre. Attention, il faut être très clair sur le principe. On m'a dit, ah, mais alors donc, tu te prends pour Ézéchiel, c'est toi qui es... Non, pas du tout. Et arrive une image abstraite, c'est un peu cosmogonique, c'est un petit peu chaotique, c'est un déplacement. Pour moi, c'est le déplacement premier d'Ézéchiel que je regarde, mais... Ce n'est pas l'image que je veux donner à voir, c'est le texte. C'est le texte qui est le plus important en regard de l'image. Et c'est le texte qui va jauger, sous-peser chaque image. Mais ça ne pouvait pas être l'image qui allait être première et sur laquelle j'allais apposer un texte. Et c'est toute la question de l'illustration et de la non-illustration dans le respect d'un texte qui fait image, et qui non seulement fait image, mais qui fera image, puisqu'il est prophétique, et que ce qui est nommé n'est pas encore arrivé. Et une deuxième remise en question arrive, parce que bon, là, la première remise en question, c'était comment intégrer du texte alors qu'il fallait que le texte soit pur, soit premier. Il fallait que ma main s'éloigne, il fallait qu'il n'y ait pas de traces de ma main, et surtout que je ne salisse pas quelque chose. Il fallait qu'il y ait une antériorité. Et pour que cette antériorité fonctionne, c'est imposer un projet fait à la main, mais numérisé, et où j'allais pouvoir penser le blanc d'une toile, le blanc d'une antériorité à toute image, qu'est ce texte, comme immaculé et intouchable. Là, c'est pas l'auteur, c'est le lecteur, la lectrice que j'étais, qui va commencer ce rouleau et qui va commencer à hauteur des yeux le déroulement du texte. Il fallait absolument que je me laisse guider par le texte, comme une canne d'aveugle. Et c'est le texte qui me dirige, et qui est blanc, comme les cannes d'aveugle, et qui est osseux, et sculpté, qui est à la fois droit et rond, comme ces lettres du texte biblique, ce texte hébraïque. Ayita alai, yad Adonai. Et la main de Dieu était posée sur moi. Elle me pousse dans la vallée, et là arrivent des images. Et ces images, là aussi, il y a tout un travail entre l'image que je représente, qui est complètement décalé, parce qu'il ne s'agissait pas de replacer le camp de la mort, le camp d'extermination, comme dessous de ce texte. Ce n'est pas mon propos. Ça serait obscène de le penser comme ça. Mais j'ai trouvé des analogies. Alors, il peut y avoir des tas de types de sources d'images. Il y a des sources aussi photographiques que j'ai travaillées, non pas en dessin, mais en travail numérique, de modification au sein de l'ordinateur et qui se mêle au dessin à la main. J'ai parlé de cette antériorité des blancs, mais en même temps, il y a eu une confirmation de cette technique qui paraît un peu froide, un peu cette impression numérique au départ qui est peut-être antinomique à la question de mémoire, puisqu'on sait très bien que le numérique est l'endroit où on peut gommer l'histoire, on peut l'anéantir, on peut changer les images, on peut les pervertir, on peut les détourner, les transformer. Et pourtant, le numérique s'est imposé justement parce qu'il me permettait une souplesse, déjà de non-illustration, d'adéquation au texte qui était antérieur et qui devenait dans le montage, comme un film, de ce fait main, même de se dessiner à la main. Mais il permettait aussi de joindre cette question de l'universalité à la temporalité de ce texte. Ce texte a été écrit dans un exil particulier, mais qui peut se rebasculer sur d'autres temps historiques, parce qu'il y a un degré d'éternité à ce texte, et à cet endroit, il y a un futur. Il se trouve que Ézéchiel, il n'a pas choisi. Tout lui est imposé quand on regarde le texte, et c'est la main de Dieu qui le pousse. Il est poussé dans une vallée. Cette vallée, elle est immense.
elle est remplie d'os. Pourquoi Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que ses os revivront ? Et ce qui est extraordinairement vertigineux, c'est qu'il répond « Atta Yadata ». Et « Atta Yadata », c'est « Atta », toi. « Yadata », tu savais. Ézéchiel répond avec une temporalité qui amène une distance, la vraie distance entre lui et Dieu, mais aussi au degré d'incompréhension de l'homme face à tous les massacres qu'il semble permettre. Alors parfois se glissent quand même des images d'histoire, mais elles sont tellement de l'histoire aussi, de la Pologne et des petits bois de bouleau. Ben, je pense à celle-là par exemple, sur le mot à Hatzamot, il y a du bois de bouleau qui arrive, il y a du bois, des forêts, qui commencent à émerger, et il y a des images extraites d'un film qui s'appelait Shoah par balle. L'image est trouée par le texte. L'illustration, c'est souvent une image et un texte. Là, le fait que le texte soit, en plus, devant l'œil, c'est l'œil de la caméra, c'est l'endroit du regard. Voilà, là, on est justement Adonai Elohim Atta Yadata. Au moment de cette phrase, au moment de cette réponse d'Ézéchiel, on est dans les bois. Mais c'est le bois générique de ce que ça peut représenter, un bois, et le témoignage de ces arbres muets. Je suis pas une artiste qui est fascinée par le désastre. J'ai toujours été dans un rapport à la création qui parler du vivant, en intégrant, je dirais, la question de la mort, mais pour une vie permanente, pour un renouvellement permanent. Et donc me revoilà à l'atelier et le besoin de repartir sur la matière. Voilà, il y a un travail de crayon gras sur toile qui donne une certaine trame, l'encre de Chine sur toile qui donne un autre type de trame quand le pinceau frotte sur la toile et ne se dilue pas. Un travail au crayon, à la mine de plomb, sur des textures qui sont les textures des eaux autour de Fukushima, des eaux qui sont rempli de tremblements. Cette image des eaux, j'en ai fait des nerfs. Vatikrevu atzamot etzem elatmo. C'est à cet endroit que j'ai pu représenter les os, finalement. Parce que ce n'est pas la mort, c'est au moment où les os vont... Chaque os, chaque ossement, chaque bout de phalange va se rapprocher du sien même, c'est-à-dire génétiquement de l'autre fragment de phalange, de l'autre fragment de fémur, du corps de cet individu. Et c'est là où... La pensée de la résurrection dans le texte hébraïque est extraordinaire. Ce n'est pas une résurrection idyllique où chacun est tout le monde. Ce n'est pas cet universalisme de cette vision de l'espérance de la résurrection. Elle est dans la reconnaissance de l'individuation génétique d'un os à son os. C'est dans le détail que la résurrection va se passer. C'est-à-dire que cette vision s'opère. C'est dans le détail, chaque ossement avec son os, et j'aime beaucoup la version de Chouraki, l'ossement vers son ossement. Et c'est impensable du temps d'Ézéchiel d'avoir une pensée comme ça au niveau de l'évolution de la science, il n'y a pas. Donc là, il y a un vertige aussi au niveau de ce temps où ça a été écrit, et où cette pensée-là, elle nous apporte quelque chose qui vient d'un autre temps, et qui correspond à notre temps de compréhension de ce qu'est le corps. Ça, je trouve ça extrêmement réjouissant.
Et à cet endroit, en fait, il m'est venu des images, mais immédiatement, que j'ai dessinées, qui étaient pour moi évidentes, mais complètement tirées par les cheveux. Mais à partir de la question du souffle, qui est pourtant le plus immatériel dans le texte, paradoxalement, ben, je vais positionner à l'envers un dessin de ce que j'appelle des anémones, mais ce n'est pas des anémones, c'est des parachutes de guerre en plus, hein, des parachutes militaires que j'ai retournés en anémones. Parce que le souffle, c'est ce qui va faire qu'ils vont se lever, violemment, brutalement, tous ensemble, tous ces os réunis, donc une foule. Tout d'un coup, des corps qui sont inertes, reconstitués mais inertes, des corps en chair, et quand c'est des millions de personnes, le bruit que ça doit faire, c'est le son. Et je l'avais associé dans mon dessin. Et c'est un avion qui décolle. Il est d'une autre époque aussi, plutôt des années 50. Et je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'était alors, l'analogie la plus tirée par les cheveux. Mais pour moi, c'était complètement ce que je ressentais, comme une poésie dans la poésie. C'est-à-dire, tout d'un coup, pour dire ce son du souffle, c'était l'avion qui décolle. Et l'arrachement que ça implique de se lever quand on pèse des tonnes et des tonnes, comme un avion, et qu'on porte autant d'humains. Mais c'est ce que je ressens comme son. Et le son de la langue, il est très, très important aussi quand on lit ce texte, parce qu'il est extrêmement fort. Il est beau. C'est un texte qui est très beau, qui est très scandé. Un autre type de collectif, un autre type d'hommes et de femmes en marche qui se lèvent. À cet endroit, c'est pour moi l'endroit où on va quand même vers un plus clair. À cet endroit, il y a un basculement vers une colorisation très très légère, mais qui est quand même présente, qui vient éclairer toute la fin du texte. Et on va pouvoir arriver donc vers la fin de cette vision où donc je m'autorise beaucoup plus d'images. Les jambes et les pieds sont relativement peut-être une des images les plus littérales et les plus illustratives, et peut-être une des rares, une des seules, qui viennent vraiment au moment où on parle de ces pieds qui se redressent, de ces humains qui se redressent sur leurs pieds. Il y a effectivement des pieds, des jambes, des mollets qui l'évoquent. Cette notion de résurrection, elle est à la fois rendue tangible par ce flashback de Dieu dans le texte. Et dans les images, bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a un flashback aussi. J'ai pris des images très particulières qui amènent un flashback de l'arrivée des migrants en Eretz Israël. Des migrants ayant traversé tout ça. Les migrants d'après-guerre. Et j'ai repris ces images, j'ai repris ces jambes-là, qui sont des jambes très émouvantes, parce que ce n'est pas des jambes jeunes, avec des baskets, etc. Il y a des jambes avec des problèmes circulatoires. Il y a des enfants, c'est d'une autre époque. Il y a la modestie, c'est pas des gens riches. Et là, le grain est très fort. Là, j'ai cherché à une trame de dessin qui renvoie au grossissement, à la loupe, à la mise en relief du détail de nos photos de famille. Photos de mes tantes, de ma grand-mère, mon grand-père, les photos de gens simples, modestes, mais qui ont cette espèce de dignité comme ça, d'être passés d'un monde à l'autre. Ils ont tout perdu, mais ils ont leur petite valise et ils arrivent. Ils arrivent sans rien, mais plein, entier. Et cette espèce de joie, en fait, que ça peut procurer, qui est un retour en avant, pas un retour en arrière. Il y a un après, c'est le retour à l'histoire, mais l'histoire de l'après, Shoah. Et ça, c'est pour moi très important comme endroit du miracle,
quand même. Un endroit, on ne peut même pas l'imaginer. C'est en même temps dans les prophéties. C'est dans une prophétie que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le temporel, il y a l'histoire, mais il y a aussi l'histoire de l'après, la fin de l'histoire, ou d'une supposée fin de l'histoire, qui n'a pas eu lieu. Donc, d'où l'échec de la mort, à cet endroit. Et là, il y a vraiment quelque chose de très émouvant, parce que c'est fragile, bien sûr. Mais c'est la ligne de ce bâton d'aveugle qui commence à rendre visible, mais dans un flashback qui ne vient pas des hommes, là, mais de l'Éternel. Et pour moi, c'est là où j'ai été sûrement poussée à placer cette image en particulier. Et il y a beaucoup de femmes, là. On parlait d'hommes, il y a des hommes, mais il y a beaucoup de pieds d'enfants et de femmes, de grand-mères, de mères et d'enfants. Plus les ossements, il y a les sépulcres, et c'est plus important puisque c'est le corps qui revient. C'est le corps qui devient reconstitué. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a plusieurs sépulcres. J'ai l'impression que moi, ça aussi, ça m'a un petit peu ébloui dans le texte, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travelling, il y a beaucoup de, entre ces images, il y a beaucoup de paysages, parce que selon moi, en tout cas, il y a pas qu'une mort, il y en a plusieurs à plusieurs niveaux. Et c'est toutes les morts qui sont vaincues, quelque part. Il y a quelque chose de l'ordre de la mort aussi, de la nostalgie d'un lieu passé. C'est pas la fin de la représentation, comme on dirait au théâtre, mais cette fin de la vision, elle alterne un balayage de paysage qui devient vraiment très abstrait, qui est pur mouvement, pur déplacement, qui est aussi est travaillé dans le dessin au crayon, à la craie-comptée, donc presque au fusain, et sur une toile à grains. Donc on a vraiment la restitution presque d'un sol. C'est aérien et en même temps, c'est comme si c'était une empreinte de sol. Mais une empreinte de sol qui ne doit surtout pas être figée, qui doit surtout rester dans le mouvement. Et alterner avec des corps dont je parlais tout à l'heure, certains donc, font référence à l'histoire d'après-guerre, et à la fin finissent par une paire de jambes avec des pieds. C'est un laboureur, en fait. Elle s'arrête sur l'homme qui marche, avec cette colorisation alternée entre des dorés et des ors. Et des rosées, elles font alterner en fait du dessin pur avec ces jambes qui sont une photographie en fait, travaillée sur Photoshop et retravaillée par le dessin. Ce qu'on peut imaginer, c'est toujours ce qu'on connaît déjà. En tant qu'homme, hein, c'est très difficile d'imaginer l'inconnu, même d'une vision. Comme ça. Et bon, ça m'a semblé un petit peu nécessaire de ne pas rester dans le flou, mais d'achever avec le dernier verset cette vision par une image et non plus du texte, puisque le texte s'arrête avant ses pieds. Ça s'arrête pas là. L'image continue. Il ne fallait pas que le texte soit bouclé, parce qu'il n'est pas bouclé du tout, puisque cette vision n'est pas bouclée. Je crois que c'est tout. Ayeta alai yad Adonai, vayotieni beruach Adonai, vayniheni betor abika, ve'i. Mais les A à Tsamou.